Eh bien, bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est pour vous faire une petite vidéo pour vous présenter mon nouveau clapier que j'ai fait vendredi soir. Donc voilà, j'avais rien d'autre à faire. Donc je me suis dit, allez hop, un autre clapier, j'en avais besoin de toute façon. Dans cette vidéo, je vais vous montrer aussi une petite surprise. C'était franchement pas prévu. Et un peu une mauvaise nouvelle que vous savez pas, mais bon, c'est une mauvaise nouvelle quand même. Que voilà, si ça aurait marché, ça aurait été encore cool. Donc voilà, d'abord je vais commencer à vous montrer le clapier. Donc le clapier est en bois, bah c'est du bois qui est comme ça là. Donc à l'intérieur, donc on va mettre une belle tôle après. Donc là c'est une tôle en plastique toute dégueulasse, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, il est comme ça le bois. Il est blanc et il y a du bois à l'intérieur, donc voilà. Donc c'est pas du bois qui se conserve beaucoup, mais c'est déjà. Après on va le mettre. On va mettre du. Donc voilà, là. Ici, là, bah voilà, c'est mon endroit où je range mon foin et tout. Donc là, c'est un peu mon endroit où je fais bordel, quoi. Donc voilà, c'est où je mets mes bottes de foin. Donc voilà, donc la tôle, donc voilà, c'est comme ça qu'on l'enlève. Donc voilà, donc cerise est là. Donc voilà, je vais poser. Donc le clapier s'ouvre comme ça, après il tient. Donc là, j'ai mis un petit bout de bois, un petit bout de bois ici, là. Que ça fasse une légère pente pour que l'eau s'écoule. Donc de devant, là, bah, pour la surprise en fait, vu qu'il y a la surprise, bah, c'est fermé, elle peut pas sortir. Donc voilà, normalement elle a accès au parc des poules. Voilà, là il me manque une poule, elle est en train de couver. Donc je sais pas encore si je vais lui mettre des œufs, ça c'est à voir. Donc voilà, donc la petite surprise, je vous la dis tout de suite, cerise, bah voilà. Voilà. Et va avoir des bébés. Franchement, je suis un peu dégoûtée. Bah, pas dégoûtée pour Cerise, c'est bien, elle a des bébés et tout. Mais j'avais une autre lapine qui avait des bébés, je vais vous la montrer tout de suite. Donc, je pense que vous allez être dégoûtée quand même, vous aussi. Parce que c'est une lapine que là, j'étais vraiment contente d'avoir des bébés. Donc, Cerise, c'est très bien qu'elle a des bébés. Mais Bleuté a eu des bébés aussi, donc voilà. Mais Bleuté, c'est une autre histoire, voilà. Donc Bleuté, je vais vous expliquer la petite histoire. Donc Bleuté a eu des bébés jeudi. Donc elle a eu des bébés jeudi. Je voulais vous faire une vidéo et tout des bébés, mais vu que c'était en semaine, j'avais pas beaucoup de temps. Donc voilà, j'aurais pu, mais bon. À la place de faire le clapier, j'aurais fait une vidéo. Et voilà, donc j'aurais pu, mais bon, j'ai pas eu le temps, j'ai pas, j'avais un peu, j'avais envie de faire un, tu vois, j'avais besoin de réviser, puis voilà, de me reposer un peu, voilà. Donc elle a eu des bébés, mais bon, elle en a eu 10. Déjà, quand elle les a fait, il y en avait 5 de morts. Bon, je sais pas pourquoi, en fait, il y en avait déjà un qui avait une patte en moins, à l'arrière, et d'autres qui avaient plus rien. Donc j'ai enlevé le nid ce matin parce que bah, les 5 derniers, bah, ils sont morts aussi. Le nid était complètement découvert. Les petits avaient des coups de morsure sur la partout. Donc voilà, donc Bleuté n'est pas une très bonne mère. Donc j'ai pu remarquer ça. Donc, je pense que c'est parce que c'est sa première portée. Je pense que c'est ça. Et que bah, elle est un peu jeune encore. Donc voilà, donc je la remettrai au mâle. Je sais pas, mais pas tout de suite. Donc voilà. Sauf qu'elle se repose, elle a perdu énormément de poids, là c'est complètement décomposé. Je sais pas si ça se voit sur la vidéo. Donc voilà, le nid était je l'ai enlevé ce matin. Il y en a. Je suis vraiment dégoûtée de sa portée. Donc Cerise va faire une portée, donc je suis vraiment content. Mais bon, j'aurais bien aimé que Bleuté. Bah, et c'est petit quoi. Donc le nid, je l'ai mis dans mon truc là-bas, dans mon compost. Bah, j'ai enlevé les petits, bien sûr, je les ai mis à la poubelle, donc voilà, mais c'est pas grave. Ça arrive dans l'élevage. Les petits bouts de chou qui grandissent, ils sont tous plaqués là-bas. Voilà, c'était une vidéo un peu blabla, un peu surprise et un peu présentation de mon clapier. Donc je vais vous remontrer vite fait le clapier. Et je pense, bah là, on est encore en journée, donc je sais pas si. Je vais éviter de toute façon de l'embêter, là c'est juste pour la vidéo. Voilà, je l'embête plus maintenant jusqu'à demain matin et je verrai si demain matin là et ses petits. Je vous referai une vidéo. Bah de toute façon demain on est lundi. Donc voilà. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu.
Moi, voilà, c'est une vidéo un peu blabla et puis vous annoncer les nouvelles. Donc voilà, abonnez-vous, likez la vidéo, même si elle est pas très drôle. Donc voilà, des fois sur ma chaîne, il y aura des vidéos comme ça. Donc ça arrive dans l'élevage, c'est pas simple. Donc voilà, c'est la vie et puis... je remercie quand même les 142 abonnés sur ma chaîne. Donc voilà, j'organise une FAQ, donc allez voir si vous l'avez pas vu, l'FAQ. Si vous l'avez pas vu, si vous êtes toujours pas au courant qu'il y avait une FAQ, je vous invite à aller voir la vidéo tout de suite après cette vidéo. Donc voilà, donc à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut !